Mais comment, le XT cher? Que fais-tu sur le site de France Gallo qui ne marche jamais? Ne sais-tu pas que sur France Cire, tu peux trouver toutes les infos nécessaires pour parfaire ta connaissance hippique? Ouah, c'est trop bien! Depuis quand? Il était une fois la naissance d'un beau bébé. Arnaud, la naissance d'un beau bébé le 8 décembre 2008 qui répondait au doux nom de France Cire. France Cire. Bon, pour vous la faire plus rock, France Cire a été créée dans l'unique but de passer les soirées à Deauville quand même. Ils sont pas fous les gars. Car les nocturnes chez Hervé, au Broc, au Seven, au Chic, à Arcana, ça, c'est notre spécialité. Champagne, whisky, langoustine grillée, salade de foie gras, tagliatelle au saumon. Vous savez, ils se contentent de peu l'équipe France Cire. Un rien les satisfait. À vrai dire, France Cire a été créé après un brainstorming hyper élaboré, après d'intenses années de recherche, de segments, de positionnement et plein de trucs finissant en comme chiant. Allez, on vous dit tout. À la base, France Cire a été créé tel un répertoire des talons, exclusivement disponible sur le net d'ailleurs. Le succès était immédiat. Youpi. Et ce, grâce à une équipe formidable constituée de Lisa Lopé, la maman de l'équipe, une vraie mère poule qui ne s'énerve jamais avec papa. Quoique, Jérôme, aka Géo Trouve-Tout, né au vent d'octobre 2010, Yannick, alias Jaja, et Loïc, surnommé Lamiche, tous deux nés au vent d'août 2012. Ainsi qu'Anise, la petite bernière qui a vu le jour au Chaser Day 2013. Et pour les éleveurs, avoir les informations sur son ordinateur ou son téléphone portable, c'est quand même carrément, avouons-le, plus pratique que de se trimballer des kilos et des kilos de catalogue. Non, pas du tout. En même temps que le répertoire des étalons est arrivé celui des éleveurs. Les France Cire, c'est à la base tout simplement la retransmission des ventes en direct. Attendez, petite seconde. Est-ce que vous auriez une crème pour les hémorroïdes, s'il vous plaît? Oui, les ventes, le réel bonheur de toute l'équipe de France Cire, prête à sacrifier vie privée, à se donner corps et âme, à suer et à travailler dans 3 mètres carrés. Et c'est donc ici, sur le ring de Deauville, que tout a commencé, un certain 8 décembre 2008. Bon, en réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais on s'en fout. Depuis 10 ans, on en a usé de la caméra, des ordi, des portables et même des bagnoles. On a bien pourri la planète avec tous nos voyages et pris quelques kilos à force de boire trop de bière, mais chut. Rien qu'en 2018, plus d'1 million de visiteurs sur le site, près de 30 000 followers sur les réseaux et des milliards de pages consultables gratuitement tous les jours sur France Cire. Alors, qui re-signe pour les 10 prochaines années ? Nous, c'est le goût.